primo perché banalmente è un'opera che non viene programmata così di frequente, quindi avere la possibilità di ascoltarla qui a Torino è comunque un'occasione importante in questa stagione. Il secondo motivo è perché è una partitura estremamente raffinata, elegante, con questa orchestra piena di mille colori, ma contemporaneamente divertente e intrisa di una certa dose di cinismo. Ma contemporaneamente, soprattutto nel secondo atto, è una partitura in cui l'omaggio alla danza è evidente, insomma, pensiamo all'uso cospicuo del valzer, ma anche di altre danze tipiche dell'epoca. Puccini, essendo un compositore estremamente curioso, le fa proprie, fra l'altro attraverso un processo che anche i compositori del Novecento, suoi contemporanei, soprattutto nel mondo sinfonico, utilizzavano. E quindi troviamo il foxtrot, il one step, il tango e altre. Il terzo motivo è in realtà legato al finale dell'opera. Noi qui rappresentiamo la seconda versione, cioè la versione in cui Magda lascia Ruggero, ovvero il finale in cui, per certi versi, Puccini abbandona un certo tipo di sentimentalismo per come dire, aprire le porte al gelo della principessa cinese che da lì a poco affronterà. E quindi è interessante questo collegamento fra il finale della Rondine e l'ultima opera che appunto Puccini compose. La Rondine è un opera très particulier parce que c'est peut-être un des seuls opéras, une comédie de Puccini. Donc c'est une rareté et je pense que c'est un opéra qui mérite d'être vu parce qu'il est beaucoup plus profond que juste le thème laisse apparaître. C'est une très belle histoire de femme sur comment une femme décide de son destin. Et donc c'est un opéra féministe pour moi, donc c'est une chose importante. Et c'est un opéra qui est relativement méconnu de Puccini, donc il faut absolument le découvrir, parce que je le trouve par exemple bien supérieur à la Bohème. Donc voilà, ça c'est dit. Et en plus, on a la chance d'avoir un double cast extraordinaire, notamment avec deux Magda d'un niveau extraordinaire, qui sont Olga Peretiatko et Carolina López Moreno, et qui portent vraiment toute cette histoire. Puis la troisième chose, c'est que j'ai choisi de rendre un hommage au Teatro Reggio dans cette production, et de placer toute l'action en 1973, en hommage à la création du théâtre et en hommage à Molino. Donc tout est inspiré, toute la scénographie, les costumes sont inspirés de l'univers de Molino et des films de Sauté, Romy Schneider, Alain Delon, Michel Piccoli, Yves Saint Laurent, voilà toute une galerie de figures parisiennes comme ça qu'on va retrouver sur la scène du Reggio.